Là, par exemple, je prends le contrôle de l'EPIC à distance à la demande d'un client. C'est bien entendu sécurisé pour empêcher toute violation de données. Je reçois un code sur mon téléphone portable qui n'est valable qu'une minute pour me connecter à la machine. Une fois que je suis connecté, le client peut voir apparaître mes identifiants sur le moniteur. De cette façon, il sait que j'ai pris la main sur son échographe.